Est-ce que vous connaissez l'ASM, l'association Solidarité Mali? Je vous la fais connaître parce que j'ai eu l'occasion de discuter nombreuses fois avec Sylvie Thienot, qui est la présidente de cette association, qui est basée à Vitry, où je suis moi-même élu. C'est une association qui travaille sur la coopération avec le Mali, comme son nom l'indique, qui travaille sur des projets éducatifs, mais qui ont un autre modèle en fait, de développement pour le Mali. Il y a la question de développer des écoles dans des endroits qui nécessitent l'ouverture de classes, où il y a beaucoup d'enfants qui ne sont pas scolarisés, mais avec un projet qui est par exemple de permettre une alimentation saine très proche de l'endroit où vivent les enfants, avec la coopération des parents qui sont sur place, avec l'investissement aussi de la collectivité, de la mairie. Il y a un maire qui participe à cette relation avec l'association. Il y a plein d'autres projets de récupération aussi, de mobilier pour permettre à des enfants qui sont dans d'autres écoles un peu plus éloignées de la ville de disposer d'ouverture de classe. Voilà, un très beau projet qui nécessite qu'on l'accompagne, que des particuliers, des personnes individuelles accompagnent le projet, mais aussi des collectivités. C'est vraiment l'engagement que l'on peut porter pour l'ASM, c'est d'aller plus loin avec votre soutien, avec le nôtre, qu'on soit nombreux à faciliter cette coopération entre Vitry, et le Mali, le Val-de-Marne et le Mali.